L'an dernier, ils ont fait atterrir cette sphère spatiale au beau milieu des vrilles, juste devant le CNES. Cette année, ils remettent ça et leur équipage est toujours aussi hétéroclite. Joseph est chef d'entreprise à Évry. Il est persuadé que la seule recherche du profit immédiat ne peut suffire à faire tourner une entreprise. Cyril est pianiste à Mency. Cette année, il va coordonner le festival. Patrick, lui, dirige l'association. Il ne conçoit pas une vie sans art. Il faut que les chefs d'entreprise et les salariés d'entreprise fassent travailler leur imaginaire comme projet, comme idéal, comme aspiration pour sortir de leur cadre routinier. Il y a autre chose au-delà, effectivement, des objectifs premiers et importants d'une entreprise. Cyril a déjà joué en entreprise et pour la direction de la 17e édition de ce festival qui aura lieu le 1er octobre prochain. Il va créer de toutes pièces un spectacle vivant auquel il compte bien faire participer tous les salariés, les chefs d'entreprise, pour leur faire oublier la crise. On s'est à mon avis égaré et je crois que chacun de nous, avant d'être un homme d'affaires, une femme d'affaires, est avant tout un être humain. Et si on oublie ça, on oublie une partie de nous-mêmes, on oublie une richesse de nous-mêmes. Alors si vous aimez la nouveauté et l'art, inscrivez-vous sur internet www.ame-art.fr.